Bonjour tout le monde. Alors, je pense que parfois, on a vite fait de qualifier une personne de perverse narcissique, de manipulatrice, alors qu'en fait, la réalité est sans doute ailleurs. On a sans doute oublié, des hypothèses alternatives. Donc, c'est une vidéo qui va certainement décevoir pas mal de monde, les personnes un peu trop normopensantes peut-être, qui veulent des recettes, mais je vais vous exposer une petite situation et voir quelles sont les explications possibles par rapport à cette situation. Elle est inspirée évidemment de ce que j'ai vécu, forcément, mais j'ai un petit peu changé le profil afin que vous ne pensiez pas que je ne m'intéresse qu'à moi, ce qui est assez vrai d'ailleurs, hein, mais bon, mais ce n'est pas la peine d'insister lourdement là-dessus quand même, hein. Alors vous constaterez que je ne suis même pas rasé, et c'est pour donner peut-être un petit côté canaille à cette vidéo, pour que ça fasse un peu olé-olé, et que ça attire de nouveaux spectateurs, et de nouveaux spectateurs qui auraient ce style que j'aime bien d'ailleurs. Enfin bref, voilà. Vous avez compris. Bon, moi, j'espère que ça va pas me, au contraire, m'enlever des abonnés. Mais peu importe finalement, hein. Voilà. Alors, donc j'expose la situation, je plante le décor, comme dirait Sofia Petrillo, je crois, dans la série Les Craquantes, Golden Girls. C'était un soap opéra des années 90-2000, hein, quelque chose comme ça, 90, ça c'est sûr, dont vous avez peut-être entendu parler. Et il y avait la petite vieille qui était censée avoir 80 ans, elle disait tout le temps, je plante le décor. Cécile, 1925, par exemple, enfin bref, je plante le décor. Alors, on va imaginer que vous êtes, que nous sommes un peintre qui peint des paysages, des choses, oui, de la nature, des choses naturelles, et qui ne parvient pas à exactement traduire ce qu'il ressent quand il voit le paysage. Et ça le perturbe, il en parle autour de lui, il parle souvent de ses tableaux, il fait des expositions, il vend peu, il est assez incompris dans ce qu'il peint, parce que peut-être qu'il ne flatte pas les goûts du public, qui veulent des paysages un peu cuculapraline, donc il n'est pas dans cette logique-là. Et il parle souvent de sa peinture, qui ne lui permet pas de vivre, mais son boulot à côté ne le passionne pas, il ne s'en désintéresse pas non plus, mais ça ne le passionne pas, et il n'a pas envie d'en parler. Donc, les relations qu'il recherche, ce monsieur peintre, on va dire, oui, on peut dire une dame, tiens, on va dire une dame peintre, pour changer, pour paraître moins misogyne, eh bien, c'est de rencontrer des personnes qui s'intéressent à sa peinture, non pas pour leur vendre à des prix exorbitants, hein, il est prêt même à en donner, elle est prête à en donner de ses peintures à des amis, mais pour pouvoir en discuter, voir comment elle peut s'améliorer, qu'est-ce qui peut manquer, discuter de cela pour essayer de traduire de façon plus exacte, par les couleurs, par la lumière, ce qu'elle ressent en voyant un paysage, cette dame. Voilà. Et toute son, on va dire, son intérêt amical va se diriger vers ce type de public parce que, non pas par égocentrisme, mais parce que le but de sa vie, c'est de créer et elle n'a pas envie qu'on s'intéresse à elle, mais qu'on s'intéresse à ce qu'elle produit, à la façon dont elle regarde les choses, à la façon dont elle analyse le vécu, finalement, ce qu'elle voit, ce qu'elle a en face d'elle. C'est ça qui l'intéresse. Elle n'a pas envie qu'on s'intéresse à elle pour ses fesses ou parce qu'elle porte de jolies robes, ça n'intéresse pas. Ou parce qu'elle est plutôt jolie, on va dire qu'elle est plutôt pas mal. Elle n'est pas laide, elle n'est pas non plus une beauté, mais elle est plutôt pas mal. Et voilà, elle a envie d'attirer l'attention sur ce qu'elle produit, qui est la seule chose intéressante en elle finalement. C'est la substantifique moelle, c'est la quintessence du personnage. Voilà, qu'on aime ou qu'on n'aime pas sa peinture. Bon, elle se trouve confrontée à des gens qui continue à avoir des relations avec elle, amicales, et qui cherche des relations amoureuses avec elle, alors qu'elle a clairement indiqué ce qu'elle cherchait, et ces personnes, généralement, ne s'intéressent absolument pas à ce qu'elle peut peindre. Ça ne les intéresse pas, apparemment. Voilà. Alors, elle va faire, donc, on va faire des hypothèses sur le pourquoi du comment. Pourquoi ces gens insistent auprès d'elle alors qu'ils ne s'intéressent pas à ce qui fait sa substance,
Asquier, la quintessence du personnage est dans la peinture et n'est pas dans le corps de la personne. Voilà. En voyant cette personne, vous n'arriverez pas, selon elle, à trouver quelque chose d'aussi important que sa peinture. Donc, on va émettre. Donc, j'ai mis en évidence quelques hypothèses. Première, alors elles sont un peu dans le désordre. Parce qu'il n'y a pas vraiment d'ordre, et elles me sont venues, il y en a peut-être d'autres, hein, mais c'est intéressant d'étudier ça. Alors, au départ, cette dame, elle pense que ces gens sont des manipulateurs, des pervers, qui se moquent d'elle, et qui veulent, comment dire, jouer un peu à dîner de con, peut-être avec elle, en l'invitant, pour se moquer d'elle, puisque il l'invite, il la côtoie, il lui parle, il lui téléphone, il lui envoie des mails, mais le sujet qui lui tient à cœur n'est jamais abordé. Voilà. Donc elle en conclut que ce sont des pervers. Mais au bout d'un moment, elle se dit, mais non, il ne peut pas y avoir autant de pervers sur Terre, ce n'est pas possible. Voilà. C'est pas possible. Donc, il faut qu'elle envisage d'autres hypothèses. Hein. Voilà. Je notais quelque chose au passage. Et elle va, parce que c'est une personne qui n'est pas bornée, qui aime réfléchir quand elle est confrontée à une difficulté, à un problème. Alors, première hypothèse. Alors, elle fait l'hypothèse que ces gens l'apprécient quand même, parce que ses qualités, les qualités humaines, les qualités techniques, émotionnelles, de sensibilité qu'elle met dans sa peinture, inonde en fait le reste du personnage et transparaît dans les autres actes de sa vie. C'est-à-dire que, mettons qu'elle réussisse bien une peinture qui fasse preuve de sensibilité, de talent, eh bien, ce talent, cette sensibilité se voit ailleurs. Il ne se voit pas que dans ses peintures, il se voit dans ses autres gestes. Et c'est là l'hypothèse la plus positive qu'on peut tirer de ce problème qu'elle évoque, hein. Voilà, tout simplement, première hypothèse, donc qui est vraiment optimiste, mais pourquoi pas? Voilà. Si effectivement elle met de l'intérêt dans quelque chose, c'est que c'est une personne qui a aussi des qualités à côté, qui de rigueur, elle insiste, elle est pas, elle se décourage pas, et elle a la sensibilité, donc. Indépendamment de la peinture, tout cela transparaît également et cela attire des personnes qui apprécient ses qualités, mais pas dans le domaine de la peinture, dans d'autres domaines. Voilà. Deuxième hypothèse, les personnes qui la côtoient sont des gens qui ne réfléchissent pas beaucoup, qui sont un petit peu normopensants, peut-être un petit peu limités intellectuellement et qui raisonnent de façon dichotomique, je dirais. Alors, sympa, pas sympa. Si elle entre dans la case sympa, on va continuer à la voir, alors même que la personne peintre, la peintre, est niée en tant que personne selon elle. Mais non, ce sont des gens qui sont un peu simplets, je dirais. Pas forcément très bêtes, mais voilà, normopensants. Alors, cette personne est sympa, on se fiche de ce qu'elle peut faire, si elle fait de la musique, si elle écrit, si elle fait de la peinture, on s'en fiche, elle est sympa, on la voit. Voilà, deuxième hypothèse. Alors, troisième possibilité, ça peut être des gens qui ne peuvent pas s'intéresser à la peinture. Vous savez qu'il y a des gens, je vous en ai parlé, qui comme moi ne peuvent pas, n'y arrivent pas à s'intéresser à des sports d'équipe. Ça ne m'intéresse pas, je n'y peux rien, je n'y arrive pas. Et ça peut être ça, ça peut être des gens qui, tout en ayant énormément de qualités, ne peuvent pas s'intéresser à la peinture, mais ils se rendent compte que la personne qu'ils ont en face d'eux est quand même intéressante à d'autres points de vue, donc ils continuent. Et ils voudraient peut-être s'y intéresser, peut-être qu'ils ont l'espoir un jour de s'y intéresser, et c'est peut-être pour ça qu'ils continuent. Alors, ça peut être aussi quelqu'un qui n'aime pas ce que la femme peintre fait, mais qui n'ose pas le lui dire. Elle trouve ça calamiteux, elle n'ose pas le lui dire, elle attend peut-être, elle continue parce que si elle arrêtait, ça serait peut-être suspect, elle dirait, tiens, pourquoi elle a arrêté de me voir? C'est qu'elle n'aime pas ma peinture, elle n'ose pas me le dire, elle a peur d'être gênée, etc. Ça peut être ça. Alors, c'est aussi, c'est une personne, ça peut être aussi une personne ou des personnes qui aiment votre physique.
qui aime le physique de cette peintre, qui est sexy, qui n'est pas une beauté fatale, mais qui a du charme, qui est attirante physiquement. Et les personnes qui la côtoient, certain nombre de personnes, des hommes ou des femmes homo, se disent, bah tiens, on va pouvoir peut-être en faire une petite amie, la petite amie officielle, ou avoir une relation sexuelle avec. Voilà, ça peut être ça, hein, voilà. Et donc, on continue quand même, malgré le désintérêt que l'on a pour la peinture. Alors, aussi, autre possibilité, cette personne, elle n'est pas perverse, simplement, elle vous a connu dans un autre contexte. Elle vous a apprécié dans un autre contexte. Quand elle vous a rencontré pour la première fois, elle ne savait pas que vous étiez peintre. Et donc, elle est restée sur cette première impression, elle vous a apprécié dans un contexte, elle n'arrive pas à intégrer cette dimension artiste-peintre. Ça ne peut pas entrer dans sa logique, c'est ça en fait. Alors, ça peut être aussi quelqu'un qui a vu dans cette femme peintre quelque chose qui n'y était pas ou qui n'y est plus. Quelque chose qui n'y était pas, c'est-à-dire que ça renvoie un peu à l'autre hypothèse, c'est-à-dire que quelqu'un vous a connu dans un contexte, vous aviez tel et tel désir à l'époque, telles envies, mais vous vous cherchiez, en fait, votre but c'est d'être peintre au fond, mais vous ne le saviez pas à ce moment-là. Et elle vous a connu dans ce contexte, et elle est basée sur ce contexte, elle ne peut pas sortir de ce contexte qui était différent, et elle n'a pas pu intégrer la caractéristique peintre. Ça renvoie un petit peu aux histoires de contexte, parce que donc elle voit quelque chose qui n'y est plus. Voilà. Il n'y a plus ce pourquoi elle vous a aimé. Ça n'existe plus. Ça n'a peut-être jamais existé d'ailleurs. On n'en sait rien. C'est parce que c'était quelqu'un qui était hésitant, qui était en pleine évolution, transformation. Elle est devenue peintre après. Et voilà. Et aussi, ça peut être, autre hypothèse, on peut le dire, qu'elle voit en vous quelque chose qui n'y est pas. Qui n'est pas la peinture, mais vraisemblablement, mais qui n'y est pas. Vous donnez l'impression d'avoir cette caractéristique, cette qualité. Et c'est là que vous-même, vous risquez de passer pour pervers ou perverse. Mais elle n'y est plus, cette qualité. Elle n'y est pas, tout simplement. C'est une erreur d'interprétation que fait la personne qui est en face de vous. Cette personne peut s'intéresser à des caractéristiques de la femme peintre qui, elle, ne l'intéresse pas. Voilà, ça renvoie, ça peut être le physique, ça renvoie à d'autres choses que j'ai déjà développées plus haut. Ça peut être le physique, ça peut être la voix, ça peut être le regard, ça peut être la façon de s'habiller, plein de choses, futiles ou pas, d'ailleurs, il y a de tout. Mais ce trait de caractère, vous l'avez, ça peut être une qualité, mais vous n'avez pas envie de le mettre en évidence, cela ne vous intéresse pas. Vous, votre quintessence, l'aspect vraiment essentiel, c'est la peinture. Et le reste, je dirais pas que vous en foutez, le reste, ça peut servir d'appât, éventuellement. Parce que, par exemple, si la peintre est jolie, ça peut attirer un premier regard vers son œuvre, mais c'est tout. C'est un appât, comme une fleur qui est jolie pour être fécondée, finalement. C'est un peu prosaïque, mais c'est un peu ça. Hein, voilà. Alors, il y a aussi des gens qui font une fixation sur vous. Parce qu'ils encore, ça renvoie encore au contexte. Ils vous ont connu dans un autre contexte, quand vous étiez jeune, plus beau. Et là, ils ont connu la peintre, la femme peintre, plus jeune, plus belle, dans un certain contexte. Ils n'arrivent pas à oublier ce contexte, cette situation. C'est une sorte d'effet de primauté, d'une certaine manière. Ils sont ancrés là-dessus, ça devient une obsession, et ils vont insister lourdement auprès de cette femme peintre, qui ne verra aucun intérêt à cette relation. Elle n'aura pas compris que vous l'avez impressionnée à ce point-là, tout simplement. Alors, il y a aussi des gens qui vont trouver qu'il est intéressant que cette femme soit peintre parce que ça les met en valeur auprès de leurs amis, ou plutôt de leur relation. Ils vont dire, ah, moi, je connais Machine qui est peintre, elle peint admirablement, etc. Donc, ils lui en parleront pas forcément de sa peinture à elle, ou pas de la façon dont elle le souhaiterait, mais ils vont continuer à la voir pour se mettre en valeur eux-mêmes. Et là, ça renvoie quand même à des personnes un petit peu perverses, hein, quand même. Enfin, c'est un peu ce qu'un pervers pourrait faire. Hein. Ou quelqu'un simplement un peu creux, hein, ou qui est très mondain.
Alors, elle trouve aussi intéressante, les gens peuvent trouver intéressante que cette femme soit peintre parce que ça dénote des qualités en amont. Ça veut dire qu'elle a le sens des couleurs, de l'harmonie des couleurs, qu'elle a le sens de la lumière, qu'elle a des capacités techniques au niveau du poignet, de la dextérité. De la sensibilité, et donc elle se dit, ben, je n'aime pas la peinture, j'ai horreur de ça, ça m'ennuie profondément d'aller à des expositions de peinture, mais cette femme est peintre, ça veut dire qu'elle a des qualités, qu'elle est sensible, qu'elle est adroite, qu'elle a un bon regard, etc., etc. Donc il continue de la voir pour les qualités qui sont transférables, en quelque sorte, hein. La personne aussi peut être trop stupide ou trop inculte pour comprendre les choses. Elle ne peut pas comprendre que pour cette femme peintre, la peinture, c'est essentiel pour elle. Ça la dépasse. Et elle ne peut pas entrer non plus dans sa peinture parce qu'elle est trop inculte, parce que pour apprécier certaines œuvres, il faut quand même avoir un certain degré de culture. Sinon, on ne peut pas forcément y accéder directement. Bon, je dirais, voilà. Une fois qu'on comprend le contexte de l'œuvre, on comprend l'histoire de l'œuvre, c'est-à-dire aussi l'époque à laquelle l'œuvre a été faite, on peut plus facilement l'apprécier et on comprend que, par exemple, à certains siècles, il n'y avait pas de perspective, voilà. Donc, alors que quelqu'un qui est tout à fait ignare, il va dire, ben non, c'est moche, il n'y a pas la perspective. Ah oui, mais à l'époque, il n'y avait pas la perspective. On ne savait pas faire ça, voilà. Par exemple, hein. Alors, il y a aussi des gens qui vont s'intéresser à l'œuvre de la femme peintre en cachette parce qu'elle ne sait pas comment en parler, comment aborder. Elle n'a pas de notion. Elle se dit, mais si je dis quelque chose sur sa peinture, ça va pas la satisfaire. Elle va pas comprendre. Je vais passer pour une idiote. Je sais pas comment exprimer mes impressions, mes sentiments. Alors, ça peut être aussi une personne qui aime cette femme peintre parce qu'elle veut être bien avec tout le monde. Tout simplement. Donc, elle veut pas avoir de brouille parce qu'elle veut donner d'elle-même une image très positive et le fait d'être brouillée avec cette femme peintre la mettrait en difficulté. Possible, hein? Alors, ça peut être aussi une personne qui s'ennuie et il se trouve que la femme peintre est disponible par email, par téléphone, de visu et c'est tout, ça l'occupe. C'est comme quand on est à côté de quelqu'un dans une foule, on parle, on attend devant une boulangerie bondée. On parle parce que la personne est à côté. Ça peut être tout simplement ça. Alors, ça peut être aussi quelqu'un qui apprécie énormément le travail de cette femme peintre, mais l'œuvre de cette femme peintre se situe au-delà de tout, ou en deçà de tout, si c'est mauvais, hein. Et elle ne peut pas l'exprimer parce que c'est impossible à exprimer. J'ai vu un film, par exemple, hier, Le Festin de Babette, hein, et j'ai d'ailleurs tiré une citation de ce film qui en fait est d'Émile Deschanel, le père de Paul Deschanel, mais pour l'instant, je ne suis pas capable d'en parler. C'est au-delà de tout, et il y a des œuvres picturales qui sont tellement au-delà de tout qu'on ne peut rien en dire, on ne peut pas en parler. C'est au-delà des mots, on le dit parfois. Alors aussi, ils vont croire que la femme peintre va changer d'avis, qu'elle cessera de parler de sa peinture un jour ou l'autre, et qu'on pourra aborder d'autres thèmes, des thèmes de la vie de tous les jours, qu'elle se déshabillera peut-être, hein, et qu'elle ira au lit, et qu'on va bien s'amuser. Voilà, ça peut être ça, hein. Donc, il y a aussi, donc là j'ai remis, mais c'est la même chose, et des personnes qui ont connu l'effet de primauté, c'est-à-dire que les personnes qui ont connu une personne dans un contexte donné, ils ont été enthousiastes et formidables, vous êtes allé passer vos quelques jours, je sais pas, à Paris, en Bretagne, ou je ne sais où, avec un homme ou une femme, que vous avez énormément apprécié, qui vous a apprécié dans ce contexte précis, mais et il se base là-dessus uniquement. Alors que vous avez changé, vous n'avez plus les mêmes objectifs, vous n'avez pas forcément changé, mais vous étiez en phase, on en revient encore à ça, en phase d'évolution. Et la personne est basée sur cette image qui date de 30 ans, qui était vous, mais vous à une étape intermédiaire finalement. Donc il y a aussi ce que vous.
Parfois, les gens n'osent pas vous dire ce que, enfin, pour la femme peinte, ils n'osent pas dire ce qu'ils en pensent parce qu'ils pensent que ce qu'elle fait est en dessous de tout, ils trouvent ça horrible. Donc, ils n'ont pas les mots pour le dire, c'est même pas une question de tact, mais ils ne trouvent même pas les mots. Là, j'exagère peut-être un peu. Alors, c'est aussi des gens qui vous apprécient, mais qui ne parviennent pas à entrer dans ce que vous faites, ils ne parviennent pas à entrer dans la peinture de cette femme peintre. Ces paysages sont réalistes, certes, mais il y a une façon de peindre qui ne vous séduit pas directement. Vous ne savez pas comment entrer dans le tableau. Enfin, entrer au sens, pas faire comme dans les tableaux à la craie dans Mary Poppins, hein, mais vous ne parvenez pas à entrer dans le tableau. Alors, il y a aussi des gens pour qui l'activité créative qui n'est pas lucrative n'a pas d'intérêt. Et là, la plupart des gens sont comme ça. Faut pas se leurrer. La plupart des gens sont comme ça. Ça n'existe pratiquement pas. Ils insistent là-dessus. Vous leur parlez, vous dites par exemple, ah ben je peins. Vous insistez beaucoup là-dessus. Vous en parlez avec une certaine passion. Enfin, même pas passion. C'est plus la passion, c'est une nécessité pour beaucoup. Et ah oui, très bien, ok. Et qu'est-ce que vous faites dans la vie? Alors là, ça tue la relation, mais même si la personne ressemble à, je sais pas, à Martine Carole physiquement, si c'est une femme, ou Manuel Valls, si c'est un homme, évidemment, eh ben, ça tue la relation. Là, c'est fini, hein. Vous dites, ouh là là, c'est fini. Bon, après, ça peut être une maladresse, hein, on a le droit à l'erreur aussi, hein. Et voilà. Et ça peut être aussi, pour finir, mais là on se rapproche quand même plus du caractère pervers, hein, comme ceux qui voudraient fréquenter un peintre ou une femme peintre parce que ça les met en valeur, parce que ça fait bien de fréquenter quelqu'un comme ça. Ça peut être tout simplement des personnes aussi qui sont égocentriques, qui ne pensent qu'à elles, qu'à leur petit plaisir, et qui vous fréquentent parce que ça les occupe, ça les amuse. Pour toute raison, parce qu'ils se disent, tiens, on va coucher avec cette femme peintre, elle est pas trop mal, encore elle a de beaux restes, malgré son âge avancé. Et ben voilà, ça peut être tout simplement ça, hein. Voilà. Voilà, donc je pense avoir un petit peu exploré les possibilités. Ce que je voulais vous dire, c'est que il ne fallait pas systématiquement attribuer un comportement pénible de l'interlocuteur à de la perversion narcissique, à de la manipulation. Ça peut être tout autre chose, comme les exemples que je vous ai donnés, et il y en aurait certainement bien d'autres. Voilà, merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à liker, c'est important, et ça développe, comment dire, ça permet la diffusion des vidéos apparemment. N'hésitez pas à mettre des commentaires, et à très bientôt pour de nouvelles vidéos, bien sûr, hein, et de nouveaux livres.